Yop, Sagi, bienvenue pour ce 16e épisode du Let's Play sur Dragon Quest 4 avec nos trois chères héroïnes. Il va falloir qu'on trouve nos autres compagnons, Anork McRyan, Monsieur Talon, Alina. Peut-être récupérer aussi le chariot. De toute façon, là, on va se diriger vers la grotte qu'il y a à l'est. Et je vais même te montrer, tiens, les sorts qu'on a appris avec l'héroïne principale. On l'a mis niveau 6. Des trucs assez bons, hein, quand même. Flamme, soin partiel, un sort extrêmement puissant qui va bien nous soigner. Ça, c'est plutôt cool. J'ai acheté aussi quelques petits équipements, j'avais un peu de fric. Je suis retourné au précédent village. Comme ça, on aura un peu plus de défense. Et on est bien, on est bien. Ah, la nuit commence à tomber. Les pacoques. On va faire plaisir les sœurs. Tornade. Crame. Affecté. C'est bizarre ça. Il y a certains monstres qui sont affectés et d'autres non. Ok. C'est différent des autres. Très souvent c'est un type de monstre qui est pas affecté. Il n'est pas le même monstre. Ah, Maya niveau 12. L'autre ça devrait bientôt suivre. Ok. Mina. Je croyais pas que t'avais autant de force, hein. Là, je peux ouvrir la porte. Ah! Un piège. Je peux pas redescendre. Il s'agit d'une porte solide. En fait, une personne seule ne peut pas l'ouvrir. Ah, faut que je les récupère. On va les voir en bas. Les voilà. Mais... Mais vous cassez pas! Ouais, donc ça aussi, je pourrais pas l'ouvrir. Oh Pardes, vous êtes venu à notre secours. Cela fait si longtemps que nous attendons ici. Nous savions que vous viendriez nous retrouver, tôt ou tard. Longtemps, ça fait 3 secondes, mais bon. Allez, oui, nous avons attendu très, très longtemps. Que vous tombiez dans notre piège. Ok, c'est des monstres, je me disais, c'était quand même bizarre. Bon bah écoute. On va frapper. Ah, illusion, ça fonctionne pas. Heureusement. Ils me font mal quand même, pas assez de PM. Parfait. Je vais soigner après. Ouais. Magie. Un peu de soin partiel. Comme ça, en plus, on subit les deux attaques et on se soigne complètement. Trop trop bien. Et moins un. Le salivaire. C'est dans la tronche. Je vais essayer ces flammes. Que ça vaut le coup. Non, c'est un peu moins fort qu'une attaque normale. Oh. Et... Tu vas te soigner, mais avec... avec des objets. On a un panier repas. Tu vas l'utiliser. C'est bon, c'est vous. Pourquoi vous avez mis autant de temps? Nous avons vraiment besoin de votre aide ici. Combattiez des monstres qui nous ressemblaient là-haut. C'est perdu la tête. Vite, si vous ne bougez pas, nous allons nous faire dévorer. Ah, y a raison, les monstres ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas aspiré jusqu'à la dernière goutte. De votre sang. Encore un piège. Oula. Il va disparaître un groupe d'ennemis dans un éclat de lumière. Est-ce que ça fonctionnerait? Affecté. De feu. Par premier secours. Je vais pas tenter le zap, je vais taper. Ressente sa force. Ok. On va taper les Angelus. On va taper le bon. 16 points de dégâts. Soin partiel. Ah, c'est bon. Ça fait peur. Encore. Ça va, les chauves-souris, c'est tranquille. Critique. Allez, ça dégage. Encore son partiel. Il ne restera que 3 PM. Super. Il va falloir qu'il meure, lui. Ça va, j'ai des armes médicinales sur moi, si jamais.
D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser une. J'aurais pu la monter un peu plus en niveau. Hein. Problème, j'ai juste assez pour un premier secours et un sort flamme. Bon, Mina et Mania, vraiment, je vous trouve. 922 points d'expérience. Niveau 7. La session, j'ai monté de plus en niveau. Hein. Téléportation, cool. Bon, bah, la même chose. Ce n'est pas ici. J'ai plus d'un médicinal de ce côté. Sûrement, il m'en reste deux. J'en ai utilisé une. Qui remonte. C'est encore les fosses. Là, je ne pourrai pas. Ça se renclenche. Ouais, Gita, vous êtes venu nous sauver. Ben, bien sûr. Sauf que nous ne sommes plus aussi naïves. Savons que vous n'êtes qu'un monstre ressemble à Gita cette fois. Ça n'est fini de vous. Non, attends, s'arrête. Je crois que cette fois, c'est vraiment Gita. Je le sens. Peut-être. Très bien, alors. Je vais poser une question à laquelle seul Gita pourra répondre. C'est Mina qui dépensait tout l'argent au casino de Chandor. Exact. La Maya. C'était toi. Qui me pose la question? Attends. Parce que Maya, c'est la chef. Enfin, la chef. C'est que j'ai mis en première position de l'équipe. Non, c'est Mina. Non. J'ai eu peur de confondre entre les deux là. Faut pas continuer à douter éternellement. Je crois que nous devons vous faire confiance. Bien, alors lance. J'ai flippé sa maman. J'ai jamais vu si un résultat des combats. Alors, du coup, on remet ça comme ça et comme ça. Et on repart ensemble. Enfin. Là-haut, il y avait que dalle à voir. Il y a juste cette porte de ce côté, ouais. Je ne peux pas tourner la caméra. On défonce. On défonce. C'est bloqué, je vais tout défoncer pour la peine. Ça doit servir à quelque chose. Là, tu vois, il y a un truc. Une porte cachée. Un symbole de la foi. Ce jeu peut ouvrir le cœur de n'importe qui. C'est pour ça qu'on est venu ici. Tout détruire. Eh bien, apparemment, oui. C'était pour cet objet. Donc, pouvoir maintenant se casser. Peut-être obtenir le chariot avec ça. Magie, téléportation. Ah, j'ai plus de PM. Attends, ça coûte combien? 4 PM. Allons-y à pied. Des fêlés. Beaucoup de fêlés. Ouais, zap, tiens. Si on peut rajouter ça avec, ça fonctionne. Si on ne tue pas avant. Ouais, marche pas très bien ça. Hein. Je vais pouvoir soigner aussi. Ouais, tu vois, t'as certains monstres qui sont pas affectés. Hein. C'est assez étrange. Yoga Cream! Pour Mina, niveau 12. Il y a pas mal de pièces d'or. Tous. On tient le coup jusqu'au bout. Alors, on va faire bang. Ça, je dépense plutôt rapidement avec une attaque
Simplista. On va arriver. Scorpion blindé. Et tchou. Et là, c'est l'heure du repos. Ça en plus en met la journée aussi. Et je vais tester la boule qu'on a chopée sur toi. Alors, symbole de la foi. Rien ne se passe. Ah, qui c'est que ce joyau que vous avez là? On donne à Hank Hoffman Junior le symbole de la foi. Vous savez, c'est drôle, mais rien que de regarder ce joyau, ça donne l'impression d'être, comme qui dirait, purifié. Alors, où est-ce que vous avez trouvé ce truc? Vous payez ma tête? Eh bien, c'est pas rien. Vous avez trouvé un symbole de la foi à l'endroit où mon partenaire m'a trahi. Et, attendez voir une minute. Peut-être quelque chose aurait été différente si j'avais cru mon partenaire à cette époque. Oui, puisque du coup, c'était un monstre qui s'est transformé en lui. Cette caverne doit être une sorte de lieu de mise à l'épreuve la foi en l'autre. Le trésor que je cherchais pendant tout ce temps est la capacité de faire confiance aux gens. J'étais sacrément stupide, mais le moment est venu de remettre les choses en ordre. J'ai commencé par vous croire. Je vous accompagne dans votre voyage, et mon cheval vient aussi. Oh. Ok. Tu es un compagnon, un partenaire, un haibou. Hank Hoffman Junior. Allez, on est parti. C'est tout rose. Mon cheval s'appelle Marilou. C'est pas une rose. Je suis sûr qu'elle vous conviendra. Allez, ma belle. C'est tout rose. Hoffman. Ah non, niveau. Ouais, c'est un guest. Fils de l'aubergiste. Lance de fer, allant de bronze, bouclier d'éca et casque de cuir. C'est pas mal, dis-moi. Est-ce que tu voudrais pas des cartes argentées? Ah, je peux pas lui équiper. On peut pas lui piquer le stuff aussi. Dommage. Alors, ok, faut siéger en bas. Je vais faire mon petit tour quand même. 4 scorpions blindés. Ça rigole pas. On va tout balancer dessus. Hein. Il ressemble étrangement un petit peu à Meliodas. À peu près les mêmes cheveux. Et il peut concentrer sa force. Il a l'air vraiment bien, toi. Hyperacrète. Tornade. Try. Ah, du poison. Et méga altération. Je n'ai rien à ça. Niveau 9. Et anti-poison, que nous n'avions pas vu. Heureusement qu'on me l'a fait remarquer en commentaire. C'est des bons groupes hein, quand même, hein. Ça rigole pas. Hein. Là, ça mérite un coup de bang. De taper les cyclotrons avec Agita. Oh, fait mal. C'est ya. On va rejoindre le petit village. Tire flèche, il est tout seul. À la prochaine. C'était sûr qu'on aurait eu un dernier combat à chaque fois. C'est comme ça. Non, tornade sur les tirs flèches. Comme ceci. Tout doux.
Bang! Bien joué. Allez, on se rentre. Bienvenue à Pour-les-Bains, la ville thermale. Endroit idéal pour des voyageurs désireux de reposer leurs os douloureux après de longues heures de route. Salut, vous venez d'arriver, non? Ça vous dirait que je vous fasse une visite guidée? Vas-y. Parfait, alors c'est par là. Fais donc. Ici, c'est la boutique d'armure. Il y a un objet qui brille au niveau des tombes. Là, on a le magasin d'objets, enfin, il n'y a pas grand chose sur le souvenir, c'est le genre de trucs que vous aimez. Et vous voyez là-haut, ah, c'est le cimetière. C'est là qu'a été enterré Godefroy, le célèbre guerrier qui a sauvé la ville autrefois. Oh, papy! Jacques, il y fripait le bordel! Alors, s'il reste longtemps dans l'eau! Excusez-moi, Hilda, je veux dire, Sir Hilda, aujourd'hui, si je monte à ce client, là, vous savez quoi? Allez-y, la déesse accueille tout le monde. Ça ressemble étrangement à une armure zénitienne, ça. Un dépôt incroyable ou un truc du genre. Heureusement qu'on a fait la petite visite guidée. Et ça, c'est Papy Frippé. Le saint des saints. Ok. Je crois que c'est le Dragon Quest qui veut me faire plaisir. Il y a toujours des jeux de mots et des petites blagues liées au sexe. C'est formidable. Parce que regarde, il y a une deuxième auberge là-haut. Tu vas pas avoir un naquet non plus. Ah, c'est toi. Un bouclier. Ça dépend, tu fais combien? 40. Je sens que tu m'arnaques. Et ici. Salaud! Je te jure. Oh oui. Je vais parler rapidement. Les PNJ. Après, t'es pas obligé, hein. Parce que t'es une fille qui doit te forcer à faire ce genre de choses. Herbe curative. C'est la culture qui veut ça. T'as déjà parlé, toi. Alors, on va faire le tour. Vous avez déjà vu l'armure dans l'église, elle est incroyable. Oui, je l'ai vu. De toutes les baraques, et après je vais voir pour acheter. Rien à fouiller. Et là, c'est juste pour avoir une vue du dessus. Inutile. Oh, le froid courageux et fort chevalier, ta belle armure au soleil comme de l'or luisait. Mais au combat, malgré elle, tu fus massacré. Non, ça ne va pas non plus. J'essaie de composer une chanson sur Godefroy, mais j'ai bien du mal. Ah, une graine de force. C'est J.B. Sir Godefroy, guerrier courageux et sauveur de Pour-les-Bains. Comme ça, agitant. Certaines personnes racontent qu'il y a un fantôme dans le cimetière, je suis pas sûr d'y croire. Il faudrait la nuit alors pour ça. Comme d'agilité. Celle-là, je vais la garder pour le moment. On va retourner dans l'église pour voir si je peux aller revoir l'armure. Il y a de nombreuses années de cela, lorsque la ville fut attaquée par des démons, c'est Godefroy qui les repoussa. Restera stoïque jusqu'au bout, seul le tout dernier monstre parvint à le vaincre.
Godefroy fit en sorte de l'entraîner dans sa chute. Donc Godefroy, que nous devons remercier pour la vie merveilleuse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mini-médaille. Oh, papy! Oh, j'ai l'impression d'avoir un jeune de 10 ans, c'est mon fils qui m'a amené ici. Tu as de la chance d'avoir un fiston si prévenant, on va prendre soin de moi. Mais j'ai aussi longtemps direction du sud en partant d'ici, vous arrivez dans une ville appelée Port Karen. Ok, sud. Et toi, qu'est-ce que tu fais à regarder là-haut? Je fais la visibilité pour voir la célèbre armure de Godefroy, mais elle n'a pas paru si spéciale que ça. En réalité, on aurait dit une mauvaise copie. Ça ne serait pas que quelqu'un ait volé la véritable armure, et cette saleté à sa place. Ouais, possible. Possible, possible. Alors, niveau armure. Chapeau à plume. Qu'est-ce que de bois, un bouclier de fer qui réduit les dégâts à des attaques de glace ou de feu. Il faudrait 1300 pour tout acheter. Ça coûte 1200. Armure de bronze. Pas d'effet, pas d'effet. Le mieux c'est peut-être le bouclier. En terme d'arme, lance sacrée. Oh, lance de fer. Mais empoisonné. Etc, etc. Il va falloir beaucoup de fric. Mais en attendant, on va se prendre le bouclier de fer. Héroïne principale. Et le pognon, je vais le garder, histoire de m'en faire un peu plus et d'acheter ces autres armures. Et est-ce que c'est loin? Ça a l'air d'être assez loin quand même. Ouais, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est déjà pas mal. J'espère que tu l'as apprécié. On se donne rendez-vous pour la suite de l'aventure sur Dragon Quest 4. On ira vers le sud pour découvrir le nouveau village, la nouvelle ville. On va voir ce que c'est, ou peut-être un château. On va bien voir tout ça. Allez, bisous, à la prochaine.